Oh là, on l'a déjà. Ah ouais? J'ai pas commencé. Je te jure, elle est ouf. Je suis Julien Benamou et je suis photographe spécialisé dans la danse. Quand j'organise une séance de photo perso, j'ai tendance déjà à chercher des inspirations, des idées, des artistes qui pourraient collaborer. Et ensuite, le lieu, il est déterminant aussi. Donc j'ai vu les photos sur le site et j'avais déjà imaginé mes points de vue, imaginé des scènes, mais je sollicite beaucoup la créativité des danseurs sur le plateau. Pour ce qui est des sauts, c'est vrai que je leur avais envoyé les inspirations auxquelles je pensais. Du coup, eux, on travaille à partir de ça et on peut aussi me proposer des variantes. Celui-là. Ça, voilà. Ça ou ça? Ah, celui-là. Ça? Celui-là. Ça, voilà. Ça, on l'a. Gaël, il est danseur. Vivien, il est gymnaste. J'aime bien les faire travailler ensemble. Ils travaillent chacun avec leur savoir-faire et on fait la pose selon l'inspiration de papier que je leur avais donnée. Ils ont trouvé la façon de la faire très rapidement. Mélissa, on a déjà travaillé ensemble sur une séance en studio. Et j'ai vraiment été séduit par les lignes de son corps. Vraiment des beaux pieds, des beaux bras, des longues jambes, une taille très fine, une grâce et des proportions sublimes. Ça, c'est beau, les cheveux sont sublimes. En fermant les yeux, ouais, c'est beau, les bras sont trop longs pour moi. On avait très envie de faire des photos d'elle sous l'eau avec des rajouts de cheveux. On a utilisé la lumière naturelle et la lumière flash pour ce résultat qui fait un peu peinture. Avant de faire la moindre photo, déjà, je lui explique quelle image j'ai en tête. On fait un premier clic et là, je leur demande si ça leur plaît et ce qui ferait que l'image ou la pose pourrait être mieux. En général, voilà, ça prend 2-3 minutes pour obtenir la photo qu'on veut en faisant plusieurs allers-retours et en allant toujours un peu plus loin. Vas-y. J'ai acheté le Z9 récemment et du coup, c'est vraiment mon petit bijou. Ça me permet de pouvoir cadrer un peu plus large. J'ai toujours peur de louper la bonne pose ou que ce soit un moment fugace que j'arrive pas à attraper. J'essaye toujours de shooter très rapidement. Donc parfois, mes cadrages sont un peu approximatifs et je me repose sur les fichiers lourds pour redresser après. Parfois, il y a aussi des photos qui s'improvisent. Donc Christophe Pujol préparait Vivien, la lumière était belle, sa coiffure aussi. Je lui ai demandé de se lever, on a mis un fond noir et on a fait ce portrait très rapidement. Du coup, ça a été un espèce de snapshot comme ça. Avec le Z9, j'arrive vraiment maintenant à faire la mise au point très facilement, même en lumière très basse. Et j'utilise beaucoup plus le mode rafale, quelque chose que j'utilisais absolument pas avant. Parce que même en rafale, on pouvait louper la bonne photo. Là, c'est vrai qu'avec le Z9, la rafale couvre absolument tout, donc on est certain d'avoir la bonne image. Lorsque je travaille en extérieur, j'essaye de pousser le flash 3-4 diaphs au-dessus de la lumière du jour pour pouvoir faire ressortir les nuages, sculpter un peu les peaux, mettre des ombres. Et spécifiquement pour cette séance, le décor étant sublime, je voulais aussi profiter de ce que la lumière naturelle pouvait m'offrir. Donc j'ai joué surtout avec la vitesse. J'étais en pose très rapide et le flash, je le gère avec le diaph. En optique, c'était plutôt le 24-70 de 8 pour profiter du décor. Mais c'est vrai que mon optique de prédilection, c'est quand même 70-200. Je suis vraiment à la recherche de piqué. C'est pour ça que le flash est assez fort. Mon diaph est souvent fermé, vraiment pour avoir cette netteté. Et grâce au 200 mm, j'arrive quand même à mettre du flou dans le décor et ça me plaît bien. Je peux pas dire que je retouche énormément mes photos, mais parfois quand j'ai un plan un peu large, j'ai besoin de mettre ma lumière proche des sujets et il arrive parfois que la lumière soit dans le champ. Une dernière. Merci, Nicolas, tu peux partir. Et à ce moment-là, je fais une deuxième photo sans lumière et je fais un petit montage. Cette photo, ça part d'une inspiration que j'ai sur quasiment chacune de mes séances photo. Et j'ai déjà fait cette pose plusieurs fois. À chaque fois, elle ressort différemment. Et là, c'est vrai qu'avec le miroir d'eau, il y a une correspondance, ça devient presque quelque chose d'abstrait. Comme j'ai des lumières un peu contrastées, parfois les ombres sont bien enterrées et le rose, ça permet
de sortir quand même un peu de matière. C'était une idée qu'on avait avec le maquilleur Christophe Pujol de faire une espèce de statue. Donc on a mis de l'argile, j'ai complètement occulté le fond en mettant le flash très fort et très proche du modèle. Et je trouve ça assez énigmatique en fait. Souvent déjà je suis surpris par l'image que j'ai, parce que si c'est exactement la photo que j'ai en tête, ça me plaît moyennement. Il y a une excitation, un moment à choper. Donc quand j'ai ça, bah, je suis satisfait. Et puis après c'est vrai, quand on a un résultat satisfaisant, on est plus exigeant. Donc par exemple, pour une photo de Vivien en plongeon, j'imaginais simplement un plongeon. Et puis après, au fur et à mesure du processus créatif, je me suis dit que c'était très joli quand on avait une parallèle qui répondait à la ligne de la piscine. Et du coup, on a travaillé sur ce côté, donc on a continué dans cette direction-là. Et c'est tout un enchaînement qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à une image qui nous plaît à tous.